Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre playthrough sur FTL quotidien. Donc hier j'étais arrivé jusqu'au dernier univers et aujourd'hui je vais faire un nouveau vaisseau. Et donc j'avais dit que avec ce vaisseau-là j'essaierai de débloquer cet achievement qui en gros dès qu'on a trois drones on l'a débloqué. J'ai aussi regardé comment débloquer les autres vaisseaux. Voilà, il me faut un NG, c'est bien ce que je pensais. Donc, il va me falloir des NG pour avoir ce vaisseau. Donc, c'est ce que j'ai, hein, des NG. Et on va rename ce vaisseau en quelque chose de sympathique. J'ai pas de nom là. On va l'appeler. Ah oui, c'est vrai qu'en plus je suis en QWERTY quoi. J'espère qu'il y en a qui connaissent ce jeu. Ah non, on va mettre le jeu du prochain playthrough que je vais vous faire. Alors, comme c'est un nom long, je vais essayer de le décomposer. Ça sera le jeu de notre prochain playthrough que je vous présenterai. Donc on va start hein. Et c'est parti. Donc nous avons deux nébuleuses avant l'exit. On va aller par là. Hop. Accept the prid. Missile drone part scrap 1. Ouais, mais de toute façon, j'ai pas de missile donc. Comme ça, c'est fait. Hop, donc on a dit qu'on va essayer de niquer le bouclier. Ah oui, et il faut que j'alloue mes mecs au système. C'est vrai, à chaque fois, j'oublie. Bon, ça commence plutôt bien! Ou pas! Ça, c'est. C'est le petit truc, c'est ou pas quoi. Ce que j'aime pas, c'est les missiles. Ah, surtout que là, il a bien tapé notre drone. Ah mais j'avais pas activé l'auto-fire aussi. Oh quelle tarte. Attends, Griffin c'est lequel? Griffin c'est celui-là. Bon, je crois que The More Generous Prive, ça veut tout dire. Hein. Par contre, j'ai plus de shield. Ah, c'est bon, on est en train de le réparer. Voilà. Donc, les premiers trucs, ben, on verra ça après. Hein. Oh là là, qu'est-ce que je débite mal. Je crois que si je tente la nébuleuse, j'ai crevé. Ah, même pas. Ça serait bien que j'arrive en store. Ok.
Ouh, c'était d'une difficulté ce truc. Après tout ce qu'on a vécu. Ah, je sens que j'ai failli ne pas m'en remettre. Hein. C'est pas cool ça. Ah, il y a un store. Explore ce stéroïde field. Il n'y avait rien. Alors, le but c'est d'aller dans un NG secteur. Ce qu'il n'y a pas. Mantis et civilienne. Oh, c'est sympa, n'empêche la géographie. Des univers. Donc on va tenter celui-là pour commencer. On va essayer de se tenter en store quand même, parce que j'ai crevé dans notre souffrance sinon. Je vais crever dans notre souffrance. Bon, mais je crois que cette vidéo est finie avec ce combat, hein. J'étais ravi de faire une petite vidéo strictement inutile. Ah mais il est pas de bouclier. C'est chiant qu'ils aient pas la compétence éteindre le feu. Comme ça, plus en fait ils éteindraient le feu et plus ils seraient puissants pour éteindre le feu. Bon, j'ai peut-être parlé trop vite hein, ce combat. Hein. Il avait pas l'air si fini. Quoi. Bah ça c'est fait hein. Je peux pas aller là-bas. Oula. Ok, désactivé sur le trigo. Oh là là, ce que je prends. Voilà, on a activé notre deuxième pouvoir. Donc notre deuxième dose de bouclier. Du coup, je pourrais pas réparer mon huile. Ouais, bon, moi je crois que je suis mort. Là, les astéroïdes, c'est fini. Oh putain, en plus j'ai des mecs qui rentrent. Alors vous avez pas besoin avec le Ion Blast justement de définir lancer sur un bouclier
pour qu'il devienne bleu à un instant donné. Ça se fait automatiquement dès qu'il touche le bouclier une fois, quoi. C'est juste sur lui avec un hull tout petit. Donc là par contre j'essaie de désactiver leur mode. Voilà, j'ai désactivé la phase de pilotage. Il a une tire dessus, je crois. Non. C'est bon. Instant. Ouais, je crois que j'ai mouru. J'ai fait con. Fixe. Bon, voilà, petite interruption, je reprends. Alors, take the cargo for your safe, until... Alors... J'avais juste le temps d'arriver et de partir du secteur. Ouh, c'était chaud, hein. Wow. Alors, Zoltan. Ouh, c'était tendu, ça. Oh, j'ai juste eu le temps de faire la quest. Trop content. Bon, alors, déjà, on va finir de réparer. Qu'est-ce que j'ai donc? J'ai un défense one. Ok. Donc je vais acheter ça. 10. Donc j'ai vendre aucun système d'armement. Ça coûte combien? 25. Voilà, donc mon but ça va être d'activer en même temps 3 drones. Hein. Donc, pour activer 3 drones, déjà il va me falloir 4 barres, ce qui va pas être possible. Donc on va jumper. J'ai trop de bol avec la dernière quest. Hein. Ah, c'est un machin ennemi. Armement, comme d'hab, de toute façon. Merde, ils ont deux doses de bouclier. Oh, j'aime pas ça. Niveau 2 et laser niveau 1, je crois. Bon, déjà, leur hull ils perdent de l'efficacité, pas le mien. Par contre, leur système d'armement. Toujours pas désactivé et ça va pas tarder à tirer. Bon, ça descend petit à petit. Hein. Là, j'ai rien à faire hein, de toute façon. Sauf s'il y a du feu qui commence à arriver. Team.
Jump. Mais bon, ça m'intéresse pas. Pour l'instant, j'ai pas perdu de fille. Par contre, ils sont chiants là. Trois plombs pour tirer. Je pense que c'est parce que j'avais augmenté beaucoup ça, du coup, ça c'était réduit à mort. Ah, ça commence à devenir intéressant. Ah, ils ont plus de 6 lames nos deux. Et je vois pas de partout, regarde. Ce qui est assez étonnant quand même. Ah, si. C'est quoi ce truc qui se passait? Ah, ok. Ah, bah il est passé plus fort. Ah, mais du coup ça se recharge plus vite. Ah, c'est cool. C'est un combat incroyablement dynamique. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, les deux chiens font pas tarder ça. J'ai pas perdu un pet de life, hein, mais c'est super long. Hein. Allez. Le Warlord Bat 2 va-t-il vaincre ce vaisseau? La suite au prochain épisode. Truc gay et sadique. Et au prochain épisode. Bon bah finalement le combat était super chiant, du coup j'ai pas décidé de le mettre. Allez. Aux alentours de 17 minutes de vidéo, j'essaie de pas dépasser les 30 minutes. Et là, je dois avouer qu'avec ce vaisseau, alors j'ai pris l'habitude d'accepter les offres. Donc, 1, 2, 2. Ça va être un combat palpitant. Deux Yonblas contre deux Yonblas. C'est quoi ce bouclier qu'il y a? Éveil 0%. Oxygène 100%. Ah, j'ai plus de bouclier. Ce qui est bien, c'est que dans les trucs d'astéroïdes, il n'y a pas que vous qui tapez le vaisseau ennemi. C'est pratique. Ah, j'ai perdu tout le temps. Par contre, ouais, c'est pas terrible ça. Dépêche-toi. Store. Allez. Ah, ça je veux. Mais mon but est d'acheter un maximum de drones. Donc on va laisser tomber pour le moment. Je pense que j'ai arrêté la vidéo au prochain système. Donc voilà.
des gentils, pas vilains, pas beaux, qui sont venus. Bien, robot. S'apprête à rentrer en FL. Lol. Ils ont plus de pilotes. Ok. Donc toi tu vas aller là. Et toi, Trico, tu vas aller t'occuper des moteurs. Quoique. Qui soit plus capable de réparer que d'autres. Bon, mais j'ai gagné un tricot. C'est chouette, hein. Quand il fait froid dans l'espace, vous pouvez utiliser un tricot. Voilà. C'est top, petit top. La blague à chier. Ouais. Power One. Donc, 3 barres. 4 barres. Donc je vais pouvoir activer 2 drones. Le truc c'est qu'on peut mettre personne à tapoter dans cette salle. Activer les deux drones, ben il manquera 2 barres de power. NG Homeward, yeah! Bon, il y a une quest où il faut revenir en recours à un NG. Ok. Ok, ok. Pause. Ben on va se quitter là et quoique ça fera un peu long après la vidéo. Ah j'hésite. Bon allez. On va tenter par là. Le plus court est souvent le mieux. Young Mantis, Ninja, Charrette Uniforme. Avec son. Bon, je sais pas ce que ça a fait. C'est pas juste. Moi je voulais rendre service aux NG pour avoir un autre vaisseau. Ok. Pardon. Il en sera autrement. Ça on va le désactiver en premier. Trop tard. Thank you.
Ah mais mon O2 est pété, ok. Effectivement là ça va pas être cool du tout. Merde, j'avais pas fait gaffe que mon O2 était pété. Vite réparer l'O2. C'est la fin. C'est la fin. Bon. Et je crois que j'étais parti en normal, hein. Avirus Square. Bon, ben on aura par ici. Hein. Hangar. C'était une mauvaise idée d'appeler ce vaisseau comme ça, quoi. Il y a quoi lui? Celui-là va être plus facile. Hein. Ouais, c'était ça, je m'étais lancé en normal. Donc, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, en espérant que ça vous ait plu. Et parlez-en autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et voilà. Bonne journée !